j'ai revu récemment Discount, un film que j'avais vu il y a déjà quelques années. Je l'ai vu. J'ai vu tous les deux. Surtout au niveau de la solidarité qu'il y a dans ces gens là qui partagent tout ce qu'ils ont récupéré dans un grand magasin. Je trouvais ça très fort comme film. Et moi je pense que sans ça justement, il n'y aurait pas de film. Parce que juste voir des gens qui travaillent dans un Discount, pour moi, et même pour les autres, c'est pas intéressant. Et alors concrètement, ce que tu crois, c'est vachement intéressant parce que moi j'ai fait un stage de chef de rayon. Et je peux te dire que je suis tombée des nues. Hein. Ces gens-là sont traités pire que dans une usine. C'est-à-dire que la priorité, c'est les clients et les employés, c'est rien. On les fouille à l'entrée, à la sortie, on les espionne. Ils sont exploités, ils ont des horaires d'enfer. Non, c'est pas que ça existait, bon, franchement. Et du coup, je n'ai pas continué dans ce métier. Je ne voulais pas. Et en plus, ce qui est terrible maintenant, c'est que tous ces gens-là vont même perdre leur malheureux emploi, puisqu'il y a toutes ces machines automatiques dans les supermarchés, et la clientèle ne comprend pas, tu sais. Oui. Au lieu d'aller vers une caissière ou un caissier, tu vas aller vers un automate. Ces pauvres gens vont se retrouver dans la rue. Tout à fait, comme Colline va zéro au début. Oui, bien sûr. Tellement il est... Moi, ce qui m'a plu dans ce film, c'est de voir ces personnes qui s'entraident, et ça m'a fait penser un peu à l'histoire de mes parents. Et parce que je pense qu'on a tous quelque chose à voir avec ce film, dans nos trajets personnels, dans nos... Moi, mes parents, ils étaient en Italie, ils étaient très pauvres. Et c'était l'époque où les Américains venaient avec des bateaux, ils remplissaient les bateaux et ils les amenaient aux États-Unis, par exemple. Il y avait un mythe, on racontait, le grand-père était parti aux États-Unis, donc on croyait qu'il avait fait la conquête de l'Ouest, par exemple. Et puis non, finalement, il a peut-être participé à la construction de l'Empire State Building, tu vois. Voilà, c'est sympa. C'est marrant parce que du coup, ma grand-mère aussi, ma grand-mère a vécu aux États-Unis. Et avant de vivre aux États-Unis, elle a vécu à Taïwan. Et avant de vivre à Taïwan, elle a fui la Chine. Puisque son mari était dans l'armée de Chiang Kai-shek, qui était un opposant de Mao. Et elle s'est retrouvée en fait à un moment dans une situation où pour survivre avec ses enfants, avec ses 5 enfants, elle a dû fuir une nuit la Chine, déguisée en paysan, et elle s'est exilée à Hong Kong dans un premier temps, et après elle est partie à Taïwan. Est-ce qu'il peut en raconter un peu comment ça s'est passé, l'accueil dans ces endroits où ils sont arrivés? Je pense que pour ma grand-mère c'était trop difficile d'en parler et qu'on ne maîtrisait pas assez la même langue commune. Pour pouvoir se parler de ça. Donc du coup, j'ai pas eu cette chance-là, mais c'est passé par le biais de ma mère, en fait, qui m'a raconté l'histoire justement de qu'elle avait vécu elle quand elle avait 1 an. Et toi? Moi, c'est un peu plus personnel parce que moi, c'est pas ma famille qui a eu une trajectoire comme celle-ci. En fait, ma famille, elle est complètement mexicaine. Mais moi, je suis arrivée en France il y a 10 ans. Et même si j'avais de la chance de parler la langue avant d'arriver, c'est vrai que l'accueil, c'est très important quand même parce que tu as un choc culturel quand même qui est assez important, et le fait que des gens t'écoutent et soient là pour t'aider, pas forcément avec quelque chose de matériel, mais je pense que c'est très important, quoi. Ça t'aide à continuer un peu ton séjour. Ça me fait du chemin parcouru finalement à travers nos grands-parents, nos parents et nous-mêmes. Est-ce qu'on continue aussi cette trajectoire? Ça fait beaucoup de déplacements quand même. Hein. Ouais. Ça ouvre des possibilités d'imaginer le futur aussi, de ce qui va se passer dans nos vies. En fait, des migrations qu'on va peut-être vivre sont assez jolies aussi.
Je devais apporter une carte et je l'ai oubliée. Et alors on aurait pu voir la Chine, le Mexique, l'Italie et la France. Et ça aurait fait comme ça un trajet où on se croise ce soir. C'est ça. Oui. Oui. Oui, je disais, pour moi, ce film-là, c'est vraiment le film de genre de la fin de l'époque Obama. De genre ? Quel genre en particulier ? Le film de genre, c'est un peu une valise qui regroupe plein d'autres genres, en fait. Le film de science-fiction, le fantastique, le thriller, le film de zombies post-apocalyptique, etc. Là, c'est un thriller ? Oui. C'est vraiment... Et pourquoi post-Obama ? Fin Obama ? Fin Obama plutôt, fin de l'époque Obama, parce que la couleur de peau est au centre du film, puisque c'est l'histoire d'un jeune homme noir qui est amené chez sa belle famille et blanche, qui ignore de sa couleur de peau. Voilà. Et il va se passer là-bas des choses qu'il n'attend pas du tout. Et les rapports, les faux semblants, des rapports... couleur de peau entre les gens sont au centre, complètement au centre du film. Voilà. Mais si, en fait, aussi, il y a une remise en question du pouvoir d'Obama, peut-être aussi. Et là, dans le sens où, est-ce que Obama, dans toutes ces années, il a exercé un réel pouvoir et contrôle, ou est-ce que finalement, il n'a pas été choisifié ? Et est-ce que, finalement, dans le film, il y a la limite du sujet et de l'objet, peut-être ? Ça devient un film politique, là, hein ? Attention. Ah oui ? C'est là l'intérêt, peut-être. C'est pas juste un film de genre sketch, mais... Il y a une possibilité d'un film de genre avec une intimité qui rappelle un peu les revendications d'une lutte un peu post-Obama et qu'est-ce qui pourrait arriver après Obama qui est Trump. Voilà, c'est définitivement le titre. Alors ça veut dire quoi pour vous ? Get out. Ça veut dire tire-toi, sors de là. Casse-toi, dégage. Sors de là. Casse-toi, dégage. Casse-toi, oui. Alors ça peut être, mais ça peut être au sens strict, sort de la maison, littéralement de la maison où se situe le quart du film. Ouais, sort de cet enfer, quoi. En fait. Ou de manière plus métaphorique, des faux semblants dans lequel tu es rentré, quoi. Tu es rentré. Pardon. Et du coup, tu parles de faux semblants. Je trouve que c'est intéressant parce que du coup, on est dans une société de faux semblants et à un côté, ce rappel-là, c'est pas que que la personne noire qui connaît sa couleur et qui revendique sa couleur. Là, c'est un noir, comme tu dis, qui ne revendique pas sa couleur et qui, finalement, pourrait être élevé dans une autre société, peut-être elle a été élevée dans une société blanche. Et qu'est-ce que ça fait d'être dans une société très conformiste et conventionnelle qui demande des codes et où tu dois être enfermé et tu ne peux pas t'échapper et finalement, tu n'as pas forcément un grand accueil et une vraie grande confiance aux personnes qui sont avec toi puisque finalement, est-ce que tu es vraiment bien accueilli et intégré ? Oui, puis je trouve ce qui est intéressant, c'est que le film montre la manière dont une certaine classe sociale noire américaine s'est réappropriée, plutôt démocrate, effectivement, c'est à copier le mode de vie de la bourgeoisie, on va dire, de gauche américaine, pour devenir exactement comme elle. Et, est-ce qu'elle avait peut-être le choix ou pas ? Elle n'a peut-être pas le choix pour justement survivre dans une société qui est dictate. C'est un fait, mais le film... C'est intéressant. Parce que je crois que le réalisateur, il est métis lui-même, donc il s'est posé beaucoup de questions. Et il y a eu forcément beaucoup de choses personnelles qu'il veut ressortir et qu'il a essayé de mettre en exergue, tout en ne se fermant pas juste sur le côté de sa couleur de peau. C'est là où c'est l'intérêt. Ouais. Il va encore plus loin du fait de son métissage, peut-être, qui permet de voir que la société américaine aussi. Ouais. Et ses faux semblants. Et qu'il a continué à reprendre. Bien. Merci bien. Je vous en sers ? Oui. Il y a du rosé aussi. Ça vous commence. Allez. Merci. Merci. Qu'il a repris dans son film suivant, Us, qui est sorti cette année. D'accord. Là, je ne l'ai pas vu, malheureusement, mais c'est vrai que c'est une notation avant ce film. Les filles. Il reste 3 saucisses. Tu peux les prendre. Saucisses au porc, j'imagine. Ça va, tu ne fais pas trop chier ? Oui, beaucoup. Je ne sais pas, j'espère que les animaux sont décédés dans de bonnes conditions, ce qui m'étonnerait. C'est sûr que non. C'est sûr que non.
T'as qu'à cendrer dans les saucisses. Ah ouais. On pourrait griller comme ça, hein. Tu peux les apprendre, gâcher la nourriture et je veux qu'elle est morte. Pour les jeter à la poubelle, hein, parce que tous ceux qui sont souffert. Les gens, ils vont les manger, il y en a plein qui demandent. Que des mangeurs de viande. Je comprends pas. J'ai mélangé les graisses, là. Et comment il a l'air au bout? C'est vrai qu'il est pas bien. Il aurait dû cendrer dedans, hein. T'imagines en plus la personne les prend alors que depuis tout à l'heure tout le monde est en mode ah, on va avoir des saucisses, on va avoir du pain. Ils ont mangé de la pastèque à la fin. Il n'y a plus rien à manger en plus. Tous mangé de la viande. Puis regarde, ils sont tous. Il est pas bien. Il erre. Il erre en plus et il n'y a personne qui en prend quoi alors tout le monde négocie depuis tout à l'heure d'en avoir quoi. Super, bravo les gens. Meilleur rôle de la soirée. Il a gardé le couteau, t'as vu? Puis il a passé la soirée ici, quoi. Il n'y a pas une personne qui est venue l'aider. Non, mais imagine le scénario. Imagine le scénario. Le mec met un gars. Il aurait pu péter. Genre enfoncer une brochette dans quelqu'un. Regarde, il se dirige vers les gens, il les regarde. Il a juste envie de leur enfoncer dans la figure leur saucisse. Très très bien, les gens, ça peut pas être vraiment. Ouais. Tu vois, là, tout le monde est calme et tout, mais ça pourrait à tout moment, hein. Mais elle a vraiment tendu. Un coup de brochette. Prends la plancha là, encore chaude, et bim, dans la tête de quelqu'un qui vient encore lui demander si. Est-ce que c'est du porc ou pas du porc? Il a envie de vengeance. Et tout le monde a passé sa vie à penser que c'était le couteau de la soirée, quoi. Ouais. Tout le monde lui a demandé en plus, est-ce que je peux avoir des saucisses? Est-ce que si, est-ce que ça, est-ce qu'il y a du pain, où est-ce qu'on peut en trouver? Le mec est boulanger en même temps. Franchement, il manque rien. Demande-lui une saucisse en plus et je pense excusez-moi, est-ce qu'il reste la merguez, s'il vous plaît? Faut chercher Nicolas, il y a un mec qui se balade avec des saucisses. Tu vois que des gens qui mangent la viande. Le film n'a pas du tout vieilli et tout ce qu'on voit, en fait, on est en train de le réaliser pratiquement maintenant. Oui. C'est complètement... Les années 90, c'était le début de la manipulation génétique. Je crois qu'il venait de cloner la première brebis, genre en 96. Oui. Du coup, il y avait toutes ces inquiétudes-là. Oui, ça va bientôt. C'est vrai que ça change le regard, parce que comme s'il avait anticipé 20 ans avant ce qu'allait... qu'elle est arrivée aujourd'hui, donc ce qu'on voyait comme un film d'anticipation à l'époque, ça devient ce qu'on vit actuellement. En fait. Et même l'aspect des personnages, tu dirais des robots, ils sont larges, tu sais, avec leurs costumes. Exactement comme quand tu vas à la sortie de la City, à Londres, voilà Joliette, tu vois les mêmes personnages. Mais ça pourrait être en Chine, ou même les sorties de lycée, ils sont tous habillés en jean, pareil, en survêtement. En fait, c'est assez proche. On arrive, c'est assez proche de ce qu'on vit aujourd'hui, finalement. Oui, c'est assez proche de ce qu'on vit, et même presque de ce qu'on vit avant. Une science-fiction réaliste, en fait, dans laquelle on peut se projeter. Les usines, les robots, il y a beaucoup plus moins d'usines, mais et en même temps, on est tous robotisés, on va au même endroit, on va dans le même magasin, on achète les mêmes choses avec la pub à la télé, on achète les mêmes choses. Ah oui, t'as vu le dernier smartphone, t'as vu la dernière télé, t'as vu les derniers robots, tu fais plus la cuisine, on n'a pas conscience. T'achètes tes plats tout prêts, mais t'achètes des robots qui coûtent 300 euros, 1000 euros, 1000 euros, mais tu te rends compte. Ah oui, c'est vrai que c'est vrai. Ah, dis donc, à propos de Valérian, il y a un truc que je piche pas trop. Parce que moi, le titre, c'est Valérian et la cité des mille planètes. Des mille planètes. Et alors, le principal rôle féminin, donc normalement dans la BD, Laureline. Ah ouais, Laureline. La BD s'appelle Valérian et Laureline. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il est plus dans le titre du film? Franchement, c'est pas fou. Ça te choque, toi? Mais ouais, moi ça me choque que ça soit pas Valérian et Laureline. Ouais. Dans l'animé, au moins, c'est ça, tu vois, genre, oui, ils respectent, les deux héros sont au même niveau. Puis même, c'est et Laureline, ça pourrait être dans le premier titre, puis ensuite ils mettent le sujet. C'était une mythanette, c'est ça. Oui, ouais. Le personnage féminin prend une place assez importante. Quand c'est vrai, c'est vrai, bien sûr. Et je trouve même qu'elle est intéressante, Laureline, dans le film de Besson. Elle représente bien le style des BDistes, je dirais, avec cette pointe d'humour, oui, tu vois, qui remet les choses en place, quoi. Ouais, un peu satire, voilà. Ouais. Et
pour éviter que bah, le héros du film, qui est Valérian, il roule un peu trop des mécaniques, ouais, je crois. Ouais. C'est pas mal, pour ça, il est bien équilibré. Après, ouais, c'est vrai, quand il roule des mécaniques, du coup, elle vient, elle est là, elle le reclash, elle le recadre. Voilà. Du coup, ça fait l'équilibre, le yin et yang du film. Mais pourquoi ils l'ont pas mis dans le titre, aucune idée. Ouais. Après, là, c'est vrai qu'elle a cité des 1000 planètes, ouais, ok, 1000 planètes, ok, c'est stylé, mais... Bah, peut-être que c'est pour introduire, j'irais, ce qui est l'aspect du film, qui est quand même un film de science-fiction, quoi, hein, fantastique même, hein, justement. Donc peut-être que... Bon, c'est dommage, du coup, que le titre, hop, elle échappe. Mais c'est peut-être pour recadrer le genre du film aussi. Allez, Hélène, maintenant, ça vient à toi de jouer avec nous. Je sais plus, mais oui, il y en a encore trois. Mais ça y est, nous, ça vient, nous, maintenant, de jouer. Allez. Moi, tout à l'heure. Voilà, tu vas jouer au boule avec nous. Tiens, à la tienne. Hein. Allez, chin chin. Et on a besoin de se remettre de l'émotion après un film pareil. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Oh là là. Oh, mais c'était vraiment super beau. Hein. Mais en même temps, ça pose plein de questions. Surtout quand on voit quand il a été tourné ce film. En 1927. Hein. Voilà. Ce noir et blanc qui est là pour nous dire des choses aussi. Aussi, et cette opposition entre deux mondes, le monde des nantis et le monde de ceux qui n'ont rien, des travailleurs, qui sont déjà inscrits dans l'espace. Il y a le monde d'en haut et le monde d'en bas. On peut se demander quel est le sens du titre. Métropolis. Bah, normalement, Métropolis, si je ne m'abuse, Polis, c'est la cité, et le métro, ce qui est en mouvement. Donc, ça serait la cité en mouvement. Et en effet, ce film-là, il montre, comment dirais-je, le triomphe, j'irais, du modernisme technique. Mais on est quand même dans un monde complètement fantasmé, enfin imaginaire, où le réel se confronte à ce qui est de cet occultisme, de la part sombre un petit peu de l'organisation de la cité. Cela dit, d'après le scénario de Théophonarbou, ce qui serait l'objet salvateur, c'est la rencontre, l'amour. Voilà, l'amour. Entre le lien Maria, fédérateur. Le fédérateur entre Frédéric et Maria. On montre quand même que sans l'amour, soi-disant, les ouvriers ils restent des esclaves rivés à leur machine, alors qu'on est en plein dans une période de lutte collective où, les ouvriers de l'époque en Allemagne, ils subissent effectivement l'organisation taylorienne du travail, mais ils sont, associés. C'est une grande période de développement du syndicalisme, de la lutte ouvrière, organisée collectivement. Donc ce film, il est merveilleux au plan de l'esthétique, des inventions au plan, des effets spéciaux, du travail sur le décor, sur même l'éclairage, qui sont significatifs de l'âpreté des rapports sociaux. Vous donnez un peu de coca? Ah ouais, ouais, ça va. Toi, tu n'as pas du verre dans ton verre? Attends, tu as de la bière, toi? Non, moi, je préférais si tu avais un peu de jus d'orange, non? Ah ouais, je te trouve un jus, tu veux du coca? Je crois qu'il y en a là, du jus d'orange. Ah bah très bien. Ah bah, c'est de la vodka orange, ouais, d'accord. Tu veux du coca? Non, mais... Moi, je veux bien la vodka orange, mais alors là, du coup, on m'arrête plus, là. Ça va me faire parler encore un peu plus. Maria, elle a aussi... Ce qui est intéressant, c'est de voir comment le film, ce groupe d'hommes, comme des personnages de western, qui vont s'implanter dans un territoire qu'ils ne connaissent pas, appréhender vivre avec les gens qu'ils rencontrent sur place, et pour essayer même de créer un petit lieu, un havre à eux. Comme les pionniers américains dans le Grand Ouest. Mais alors, ce que j'ai trouvé très beau, c'est que finalement, c'est quand même une femme qui filme des hommes, c'est beaucoup sur les corps des hommes, c'est un film très sensuel. Et c'est du coup très original aussi par rapport à ça. Je trouve que c'est vraiment un truc hyper beau dans le film. Ouais, c'est l'acteur principal qui m'a vachement marqué. Une gueule incroyable. C'est magnifique au niveau cinéma. Lui, c'est pas du tout un acteur pour le coup. Je crois qu'il est mécanicien. Dans l'automobile et qu'elle l'a découvert par hasard et qu'elle a tourné comme ça. Et moi, ce que j'adore aussi, c'est cette façon de faire cette réflexion sur la communication sans parole. Pas à la fois avec des humains qui parlent pas la même langue que toi, mais au-delà de ça, même avec des animaux, tu vois le rapport qu'il a avec son cheval, c'est hyper beau. Et du coup, ça en fait un film hyper sensuel parce que ça se passe de la question de la parole, ça le dépasse complètement pour essayer de voir comment
peut avoir des rapports avec des gens qui se passent de la, du langage, qui passent par des choses, par des gestes, par des caresses. Bah, en tout cas, elle est allemande. Ouais. Oui, en tout cas, c'est vraiment la question de est-ce qu'il y a une Europe aussi, je trouve, plus largement. Finalement, tu vois, c'est vraiment est-ce qu'il y a de cette rencontre est possible. Si tu prends vraiment à fond renverser la question de la migration. On est sur des hommes de l'Occident qui vont travailler. Est-ce que cette rencontre est possible parce que Corinne travaille pour nous aussi? Et du coup, comme l'Allemagne a aussi été divisée en deux, est-ce que c'est travailleur allemand et c'est de l'Ouest ou de l'Est? L'histoire ne le dit pas.